Bonjour, je m'appelle Gilbert Mounier, je suis consultant en démarche qualité gestion des risques et je vais vous parler d'un jeu qui a été inventé et imaginé par Albert William Tucker en 1950 qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Ce sont deux prisonniers qui ont été emprisonnés, qui sont supposés complices d'un crime, qui sont enfermés dans deux salles différentes et qui ne peuvent pas communiquer. L'autorité pénitentiaire leur propose trois alternatives. La première, c'est si l'un des deux dénonce son coéquipier, il pourra sortir sans aucune peine, et le second écopera de la peine maximale de 10 ans. Si tous les deux se dénoncent l'un l'autre, chacun aura une peine de 5 ans. Si par contre aucun des deux ne dénonce son coéquipier, faute de preuves, tous les deux sortiront au bout de 6 mois avec cette peine minimale. Ce qui est intéressant dans ce qu'il a imaginé, c'est la répétition de ce jeu qui montre qu'à un moment donné, on va chercher à maximiser ses profits, minimiser ses pertes. Et qu'à un moment donné, si on réfléchit à l'infini, le principe de coopération qui est énoncé dans ce principe de ce dilemme nous permettra tous collectivement d'apprendre les uns les autres et de nous en sortir collectivement. Et cette démarche m'a complètement animé dans toutes mes approches professionnelles, privées, de comment réfléchir à coagir ensemble, à collaborer, à coopérer, pour qu'à la fin, on s'en sorte tous ensemble de manière collective. Et ce qu'on retrouve de ce principe, c'est dans le principe des approches en équipe, des approches professionnelles, pluriprofessionnelles, de comment on s'entraide, comment on passe dans cette approche d'humilité pour s'entraider les uns les autres, sans chercher à dominer, sans chercher à conquérir.